Reprise. Milieu d'alignement. Ballon bien pris. Avantage. Avantage en cours. Avantage, oui. Pour La Rochelle. Et parce qu'on a bousculé le sauteur Rochelet alors qu'il n'était pas encore revenu au sol. Moins de 3 minutes. Et pénalité. Elle est sifflée. On peut aller Rochelet. Qu'est-ce qu'il va demander peut-être non, prendre non, la mêlée. Non. Non, on peut pas jouer rapidement. 18. Oh, il va y avoir un jeu encore. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon. Yeah. C'est bon, reculez. Reculez. Stop, stop, stop. C'est au 15 mètres. D'accord ? Ok. Prennent la mêlée. Eh oui, ils se sont sentis forts. Ouais. Durant ce match, dans ce secteur de jeu, les Rochelais, et c'est peut-être là qu'ils ont l'opportunité à 2 minutes 30 de trouver leur salut. Flexion ! Touché ! Top ! Entré ! La mêlée qui s'écroule. Plus fort, je ne peux pas parler plus fort que tout le monde. Hein. On va se rapprocher un peu. 2 minutes 20. Prends ton côté, Régis. On se rapproche un peu. Hein. On va vers le bas. Flexion. Touché. Top. Entrée. Ça s'écroule encore. Toujours des problèmes de liaison. C'est les deux, c'est les deux. Non, les... c'est vous, il faut aller chercher la liaison. C'est les deux joueurs, hein, cette j'en fois-ci. Avant la fin de ce match, pour vous annoncer, pour vous rappeler, si vous êtes déjà au courant, que vous pourrez suivre une demi-finale de Coupe d'Europe sur l'antenne de Canal+, celle entre le Leinster et Toulouse. Ce sera le samedi 30 avril à 16h15 en direct sur Canal. Ne loupez pas ce rendez-vous. Flexion. 1 minute 30. Touché. Toujours 3 points de retard pour La Rochelle. Mêlée pour Les Rochelais. On est passé au sol, on est passé au sol. Stop, 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 stop. Alors, on va refaire une mêlée. Ah, des ans dessus. Bonne mêlée. Une minute. Pareil, on reste une minute. Haut, pareil que la c'est la dernière occasion pour les Rochelais. Pour rester en vie dans ce top 14. Rapprochez-vous encore. Avancez. Il fait rapprocher intelligemment les deux premières lignes, monsieur Renal, pour éviter les pertes d'appui. Flexion. Touché. Top. Entrée. Attention, parce que c'est déjà la seconde. Deuxième. C'est déjà la seconde et... Droitier, au sol directement. Les 7 pénalités pourraient poindre le bout de son nez. Hey, mêlée, bien sûr qu'on va demander encore une mêlée. C'est de lourdes responsabilités là pour monsieur Rénal s'il va siffler un essai de pénalité à la dernière seconde. Il va falloir avoir le courage de le faire si les agenais se mettent à la faute trop souvent. Touché. Top. Entrée. Il y a eu un bon impact des Rochelais. C'est terminé. C'est le dernier ballon. Résistance. Le dernier ballon avec Rabelli. Rabelli qui est stoppé à 5 mètres de la ligne, ballon toujours pour les Rochelais, il a pu libérer. Il faut que La Rochelle ait marqué un essai s'ils veulent rester en vie dans ce top 14. On est au-delà du temps réglementaire. Ballon pour les Rochelais. Les pieds, les blancs, les pieds. À quelques recule. Mètres de la ligne, en but désagené. Ballon relevé par Clément. Non, les pieds, deux blancs. Recul. Rabelli. Bien libéré. Ouais. Les Tarquebout est en défense, hein, côté Agenais. On insistera encore. Ballon qui sort rapidement. Hors-jeu. Ballon ramassé. Position d'hors-jeu. Il y a un avantage en cours pour La Rochelle. Et ils pourront reprendre une mêlée. Ils sont d'hors-jeu, Aura. Ballon toujours pour les Rochelais. À quelques centimètres de la ligne d'en-but des Agenais. Avec l'avantage en cours. Et le public de Marcel de Flandre qui pousse et qui y croit encore. Si le public doit faire du bruit, c'est maintenant. Hein. Là, l'avantage, je reviens à l'avantage. Voilà, pénalité. Position d'enjeu aura. Ah, ils ont cru que c'était la fin, les Agenais, mais non. L'avantage, il y a contact. Pénalité. Ils sont même quasiment obligés de... Soit ils jouent à la main, soit ils prennent la mêlée, mais à mon avis, ils vont reprendre la mêlée. Voilà.
C'est annoncé par Franck Jacob. C'est bon, de toute façon, c'est la dernière action. C'est la dernière action, de toute façon. Et on rappelle, si jamais la mêlée s'écoule, on doit la refaire. On peut pas arrêter le match là-dessus. Il faut que la mêlée soit disputée. Que c'est une phase de remise en jeu, donc il faut que l'action soit remise en jeu et donc la mêlée aille à son terme. Bonne liaison de suite, on se rapproche. Et le public de Flandre qui essaie de pousser son équipe. Ah, c'est une saison, carrière qui ne tient pas en place. Avancez les Noirs. Bon public hein, quand même. Ouais, magnifique. Public crochet. Magnifique. Touché. Top. Entrée. Point de liaison toujours. Pénalité, attention. Il va peut-être y avoir un carton jaune. Venez là. Venez là. Prochaine fois, c'est droit. Ok. Voilà, c'est annoncé. Prochaine fois, c'est carton jaune. Voilà, et après mêlée. Le carton là. Jaune, il peut y avoir un essai de pénalité. Prochaine fois, c'est droit. Je suis sûr que Monsieur Reynal rêve d'une mêlée bien ordonnée. Oui. Et qu'il se passe un truc qui arrête le match. Soit un essai, soit un avance, soit quelque chose. Ah ouais, c'est sûr. C'est sûr et certain. Je pense que je vais bien écouter. Prochaine fois, c'est droit. Regardez, déjà là, sur le, avec Nomo, il n'y a pas de liaison. Les deux piliers, le pilier Rocher et le pilier Agenais ne sont pas liés. N'oubliez pas, évidemment, les spécialistes sur Canal Plus Sport. Mardi soir, 19h40. Lundi, rugby sur Sport Plus, 20h30. Bonne liaison, tout le monde. Lundi. Monsieur l'arbitre, changement, changement. Ils vont faire un changement, les Rochelais. Ils vont faire rentrer à nouveau Franco Pagny. Ouais. Vraiment la mêlée de l'espoir pour les Rochelais. Ouais, un homme d'expérience, on va se faire sortir chez les dents qui, je crois, a pris un coup au bras ou à l'épaule droite. Oui. Oui. S'il a pas pris le coup, oui. C'est pas grave. Non, c'est pas grave. Je pense que c'est bien que ce soit Pagny qui rentre. On avance un peu. Plus expérimenté, évidemment. Eh, oui. On avance un peu, les Noirs. Ok. On mais on peut pas leur reprocher. Flexion. Touché. Top. Entrée. Monsieur Reynal qui laisse jouer. On va la faire refaire cette mêlée. Et là. Non, on joue la mêlée. Très clairement, la fois suivante, la si mêlée. Ça passe au sol, il va falloir qu'il prenne une décision. Avancez. Avance. Non. On est déjà à 5 minutes au-delà du temps. On avance encore, les Noirs. 3 points de retard pour La Rochelle. Touché. Il doit absolument marquer l'essai. Non. Pour l'emporter. Encore une fois, on se met à la faute. Le cochier à Genet n'est jamais lié. Hein. Ouais. Il laisse jouer, Monsieur Reynal. Ballon ramassé par Soukaz qui est pris. Placard blanc. Bonne pression des Agenais sur ce ruck. Non. Allez, on insistera. On est tout près de la ligne en meute. Ballon ressorti, attention. Ballon récupéré par Dambiel. Dambiel qui n'a pas trop de solutions, qui est un petit peu isolé, qui cherche une faille. Il est pris, mais il peut libérer. Ballon toujours pour les Rochelais, qui est un petit peu reculé. On est au ras d'abord. Avec Sazi maintenant. On se rapproche encore. Attention à ses passes avec Rameli qui peut libérer. Tchon qui dégage. Tchon qui dégage. Le ballon est toujours jouable, évidemment. Avec Tchon encore qui est là pour pousser ce ballon. Il qui a les jambes pour aller au bout. Qui va peut-être aller marquer l'essai. Ça va être un essai. L'essai de 100 mètres. En faveur d'un jeu marqué par Silbertian. Et qui envoie très certainement La Rochelle en prenez le et qui, en tout cas, maintient Agen, c'est désormais officiel. Agen va rester en top 14 de la saison prochaine grâce à cette victoire sur la pelouse de La Rochelle.
Et la joie des Agenais hein, qui est méritée, on le répète, mais scénario quand même très très cruel pour les Rochelais. Beaucoup beaucoup d'occasions manquées. Deux arbitrages vidéo qui ne vont pas accorder des essais, sans doute entachés par des fautes, mais c'est vrai que c'était un scénario très très compliqué pour eux ce soir. Le match n'est pas tout à fait terminé puisqu'il y a la transformation. Bien sûr. Qui va taper Conrad Barnard et oui, la joie des Agenais qui seront encore là en top 14 la saison prochaine. C'est désormais une certitude. Christophe Delo qui vient consoler David Daricarère. Les Rochelais, même si ce n'est pas encore officiel, sont à 99% en Pro D2 la saison prochaine. La transformation de Conrad Barnard qui passe, deux points de plus, ça fait 29-19, victoire d'Agen sur la pelouse de La Rochelle, 29-19, Agen, c'est officiel, se maintient en top 14.